Torcy peut se targuer d'accueillir un artiste. Jean-Michel Rodriguez fait la plus savoureuse galette des rois du département. Deuxième dans la catégorie patron, il a remporté le premier prix dans la catégorie ouvrier lors du dernier concours de la meilleure galette de Seine-et-Marne. J'aime tout ce qui est pâte feuilletée. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé, quoi. Je pensais que j'avais une bonne galette, un bon aspect, donc je me suis lancé, quoi. Installé depuis 3 mois, Jean-Michel Rodriguez espère accueillir davantage de clients grâce à son savoir-faire. Mais hors de question pour lui d'augmenter le prix de la galette, et encore moins de nous donner sa recette. Il n'y a pas forcément de secret, il y a juste, moi je suis passionné dans mon métier. J'adore, comme je vous ai dit, j'adore tout ce qui est pâte feuilletée, ça peut concerner autant les croissants, c'est surtout la matière première. Si vous prenez des bons produits à la base, vous allez avoir un bon produit à la sortie, quoi. Mais il y a aussi la passion de savoir bien travailler ces produits-là, quoi. Sa récompense, il la doit également à sa persévérance. 27e du dernier concours de la meilleure galette aux amandes de la région, il enchaîne depuis les compétitions avec succès. J'ai déjà fini 19e meilleur croissant d'Île-de-France. Cette année, on va le refaire. 3e l'année dernière en Île-de-France pour un patron pour les galettes. Donc, c'est pour ça, quand je vous dis que j'aime ça, moi, c'est un des points forts de mon travail, quoi. Après, il y a tout le reste. Et si trouver la fève reste l'un des charmes de cette tradition, le plaisir du goût suffira amplement à satisfaire petits et grands, quel que soit le roi.